Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous aurions une rencontre pas comme les autres. Nous allons découvrir un monde fascinant d'une artiste qu'on connaît bien. Dina Roubi va nous ouvrir les horizons afin de découvrir avec elle aujourd'hui les mythes des 99 chevaux et également nous allons découvrir la nouvelle technologie. Comment peut-elle être là à la service ou au service des artistes et des collecteurs. Un monde fascinant, plein de couleurs, d'avant-gardisme et également d'enthousiasme. L'artiste Dina Roubi, bienvenue, ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir ce monde fascinant de chevaux et également de nouvelles technologies à travers votre première exposition solo. Merci d'être venue, je suis toujours contente de vous recevoir. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette exposition, les idées, les couleurs et également l'objectif. Mais avant de parler de ce sujet fascinant, je voudrais retourner encore une fois à la période de l'enfance, puisque on sait toujours que c'est une période qui marque la vie de l'être humain. Est-ce qu'il y a eu des influences? Qu'est-ce que vous retenez en tête en général de cette phase de votre vie? Mon enfance n'avait pas marqué un talent spécial, mais c'est plutôt l'encouragement de ma mère qui avait toujours cru en moi, parce que quand elle était jeune, même avant de nous avoir, elle avait lu La Fortune par une dame scandinave qui lui avait dit qu'elle allait avoir deux du même genre et qu'un de ses enfants allait être artiste. Donc elle me disait toujours, toi tu vas être artiste. Et je apparemment gardais ça dans ma tête et finalement, après plusieurs années, j'ai commencé à exploiter l'art et tout est sorti. Donc c'est à partir de ce moment, il n'y a pas même 10 ans, moins que 10 ans, que tout a été exploité. Mais vous avez entamé une carrière loin du monde des arts, loin de l'Égypte même. Oui, c'est vrai que j'ai vécu en Espagne beaucoup d'années et que j'ai travaillé dans le secteur d'hôtellerie. Après, quand je suis retournée en Égypte, j'ai fait plein des études. Je suis devenue homéopathe, life coach. J'ai fait des travaux sur le monde de l'énergie, etc. Et finalement, quand mes enfants ont commencé à être plus fort, plus grand, que j'ai décidé d'embrasser ce domaine d'art. Mais en même temps, j'étais toujours très émue et très attirée par l'art. Depuis toute petite, je visitais les musées, les galeries d'art. Donc j'ai acquis un certain goût et j'ai même pensé d'être une critique d'art à un certain moment. Mais finalement, j'ai commencé à étudier l'art et de faire des expositions et même des expositions à niveau international. Et c'est apparemment à partir de ce moment qu'on a décidé d'être aussi des galéristes, moi et mes collègues. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à aussi penser que je devais faire mon solo. Et l'idée de mythe des 99 qui m'a apparu d'un seul coup comme ça, et justement j'ai fait cette exposition dont on est présent en ce moment. Mais comment vous avez entamé ce parcours avec l'art, avec les couleurs? Parlez-moi des premiers pas de l'apprentissage.
Les premiers pas, c'était tout à fait par hasard. Je dirais c'est la chance ou la coïncidence qui m'a ramenée vers le chemin de ma professeure, qui est devenue plus tard mon collègue, c'est Farida Darwish. Je faisais des cours d'énergie et il y avait une artiste. Je lui ai demandé, moi aussi je voulais être artiste, qu'est-ce que je dois faire? Une troisième personne m'a entendu parler. Elle m'a passé le numéro de Farida et je suis partie prendre des cours et j'ai commencé même avec le crayon à papier. Après, c'était le pastel, après le portrait, après l'huile. Et finalement, j'ai découvert, je me suis un peu libérée et j'ai découvert d'autres médias pour peindre. Et tout s'est ouvert, si vous voulez. Depuis combien de temps vous avez commencé à dessiner et à peindre? Exactement en 2014, j'ai commencé et 2 ou 3 mois après, j'ai fait ma première exposition qui était au consulat italien, qui a eu quand même des critiques assez positives. Et à partir de ce moment, le monde de l'art s'est ouvert devant moi, donc je suis très gréée et très satisfaite que le chemin m'a mener pour embrasser cette carrière-là. Donc je suis très contente et enfin c'est venu d'une façon sans résistance, très facilement et je crois que quand quelque chose est vraiment, comment on dit, supposé d'être, tout arrive facilement, sans résistance et ça mène d'un pas à un autre, et finalement on se trouve en train de faire exactement ce qu'on voulait faire toute sa vie. Je crois qu'un des moments les plus forts de votre parcours dans le monde des arts, c'était quand vous avez été choisie avec 2 ou 3 autres femmes artistes afin de représenter l'Égypte à l'étranger comme modèle de l'Égyptienne moderne, l'Égyptienne qui a réussi sa vie. Parlez-moi un peu de cette expérience. Bon, c'était dans une exposition qui était à l'Opéra que notre attaché culturel à Paris à cette époque nous a vus et elle a vu les peintures qu'on avait faites, elle nous a choisis et on a commencé à penser à faire une exposition à Paris au Centre culturel égyptien. Et justement, on a fait cette exposition qui a eu un très bon... disons, des critiques, oui, très, très positives. Et en même temps, ça nous a ouvert d'autres pays. Donc de Paris, on a été à Berlin, après à Madrid, après à Rome, Londres, Vienne, Prague, Budapest. Et dernièrement, on a participé à une exposition au pavillon d'Égypte à l'expo de Dubaï 2020. Donc oui, ça c'est venu comme ça, mais le début était à Paris, effectivement. Au début, vous avez commencé par des portraits, par des murs ou un tableau virtuellement. L'idée m'a vraiment intriguée. J'étais très curieuse et j'ai commencé à étudier, à voir de quoi il s'agit. Ça m'a pris 1 an exactement pour tout comprendre. Et finalement, il y a 6 mois, j'ai commencé à travailler sur ce thème. J'aime beaucoup les chevaux. En général, c'est mon animal préféré, le cheval. J'aime beaucoup la mythologie, les anciennes civilisations parce que j'ai étudié aussi l'égyptologie. Et donc j'ai pensé que le cheval, étant donné que c'est un animal très spécial, très noble, et ça a aidé l'humanité depuis l'homme préhistorique. En fait, nous avons des tableaux comme ici par exemple qui représentent les chevaux dans les caves qu'on trouve à l'Altamir, en Europe en général, même en France on en trouve. Et je suis passée par la mythologie grecque avec 99 chevaux. Et finalement, chaque cheval a un nom
et à aider dans la mythologie d'une certaine façon. Donc on a le cheval de Troie, le cheval d'Hercule, le cheval d'Alexandre le Grand, que sans lui, il n'allait pas conquérir tous ces pays. C'était un animal qui l'a aidé énormément. Et puis nous avons aussi le Pégase, etc. Chaque cheval que vous voyez dans cette exposition représente un de ces animaux, de ces chevaux intéressants avec leurs histoires. Et c'est un cycle entre le passé avec la mythologie grecque, le présent puisqu'on est là et on a les tableaux présents devant nous, le futur puisque j'ai utilisé des techniques tout à fait nouveaux et en même temps j'ai utilisé le monde de la métaverse et le monde virtuel, le blockchain, c'est tout le vocabulaire qu'on entend parler dernièrement et beaucoup de gens n'en ont pas une idée. Expliquez-nous un peu l'idée de comment acquérir ou posséder un tableau virtuellement et comment un artiste peut-il garantir ses droits à travers ce genre de nouvelles technologies d'avant-gardisme. Bon, il faut d'abord penser que cette idée est venue quand une amie m'a parlé de NFT, quand j'ai dit NFT c'est non-fungible token, c'est une espèce de certificat infalsifiable qui ne peut pas être falsifié. Donc la première chose elle m'a dit, on peut avoir un tableau virtuellement. Je lui ai dit mais comment on peut garantir qu'on n'allait pas prendre une photo de ce tableau virtuel et dire que ça nous appartient. Elle m'a dit mais c'est la même chose ou la même idée que lorsqu'un peintre qui copie peut copier la Gioconde et dire ça c'est l'original. Nous savons tous que l'original est au Louvre par exemple. De la même façon on peut obtenir un tableau ou une peinture virtuellement de façon digitale sur le net ou sur le metaverse. L'idée est un peu folle et tout à fait futuriste, mais déjà, peut-être pas notre génération, mais la génération des plus jeunes, l'utilise chaque jour. Nous avons vécu pendant le Covid un enfermement dont on a juste pu communiquer à travers WhatsApp, Facebook, Instagram. Les plus jeunes utilisent d'autres applications. Donc on ne peut pas nier que le monde est en train de bouger vers ce monde virtuel d'une façon très naturelle et plus tard nous allons voir des gens probablement avec leurs lunettes que probablement aussi vous avez tous utilisées juste pour voir comment on peut rentrer dans un monde virtuel tout à fait et vivre comme si on était là-dedans. Il y a des marques maintenant d'habits, il y a des voitures, il y a des espèces de musique. Donc c'est un peu comme le cheval de Troie qui est en train de diffuser petit à petit notre vie et on doit soit s'adapter à ça et être flexible pour accepter cette idée, soit on va rester tout à fait derrière. Mon idée dès le début, c'était que l'Égypte soit un des pionniers de ce monde-là parce que des fois on a l'impression que dans l'art on a tout vu. On a vu l'art classique, le cubisme, l'abstrait, etc. Et beaucoup d'artistes ont aussi des difficultés pour vendre des fois, pour avoir des nouvelles idées, pour être créatif. Donc mon idée était d'aider aussi les autres artistes et le monde de l'art et de découvrir de nouveaux coins que personne n'a déjà vu ou au moins ça reste un peu mystérieux. Effectivement, on a fait une espèce de séminaire pour les artistes et les collecteurs, les gens qui sont intéressés à voir qu'est-ce qu'il y a au-delà du monde de l'art classique ou des expositions traditionnelles que nous avons déjà vues mille fois. Et curieusement, il y a eu beaucoup de
comment on dit, de... D'interaction. D'interaction et aussi de réaction très positive des gens qui voulaient découvrir ça. On a fait des étapes simples pour suivre comment on rentre sur l'application, comment on peut mettre son art, comment on peut l'acquérir ou le vendre. Et beaucoup d'artistes, l'idée les a paru très intéressante et ils ont déjà commencé à l'utiliser. Donc c'était mon but de découvrir un monde mystérieux que personne n'ose faire beaucoup de travaux et beaucoup d'études pour le pénétrer et en même temps faire bénéficier les autres artistes et les collecteurs de ce monde-là et afin de pouvoir découvrir un monde nouveau et d'avoir plus de créativité. Peut-être le public sera curieux de découvrir cette nouvelle façon de présenter les tableaux, les peintures, mais est-ce que le public est-il également intéressé de posséder ou d'acheter un tableau virtuellement? Bah, très bien que vous avez ouvert ce point-là. En fait, maintenant, on peut acquérir des terrains virtuellement, on peut construire des galeries virtuellement et exposer virtuellement et inviter d'autres artistes à exposer avec moi. Donc, tout ce qu'il y a dans ce monde, notre monde dont nous vivons, existe dans un monde parallèle tout à fait pareil. Donc, il y aura un jour où on va porter sa robe soirée, aller dans des noces virtuellement dans sa voiture n'importe quelle marque et entendre de la musique virtuelle, ça arrivera et ça arrive maintenant. Et si vous avez des enfants ou des adolescents, vous allez voir qu'ils jouent des jeux tout le temps. Ils achètent ce qu'on appelle les skins. On paye pour ça. Donc si les enfants, les ados, ils payent pour ça, aussi j'ai eu des collecteurs, des gens qui s'intéressent à être les pionniers à découvrir ce monde et à avoir des peintures virtuellement. Donc, si on est flexible, si on est assez flexible et on veut vraiment s'adapter au nouveau monde, comme existe partout dans le monde et dans toutes les époques, il y aura toujours des avant-gardes, des gens qui sont disponibles à faire les premiers pas. Il y a eu dans cette exposition des gens qui s'intéressaient à avoir virtuellement leur peinture. Ce que vous dites, c'est fascinant vraiment parce qu'il y a quelque temps, on parlait de ça comme science-fiction. Aujourd'hui, c'est de la réalité. Et je voudrais savoir, à travers cette nouvelle technologie, est-ce que vous croyez que le monde traditionnel, l'interaction normale, traditionnelle, conventionnelle entre artistes, public et collecteurs va changer? Je ne crois pas que ça va changer complètement. C'est un peu si on pense que dans les années 90, quelqu'un allait nous dire qu'on allait commander ses achats, faire ses courses online, se communiquer, comme je viens de le dire, par Facebook ou par WhatsApp. Dans les années 90, on n'allait même pas y croire ça. Mais actuellement, et après le Covid, on a réalisé que tout ce qui était tout à fait science-fiction est devenu, ou ça fait partie de notre vie réel. De même, ça deviendra une partie, et je dis une partie de notre vie réelle. Il y aura toujours les deux choses. On ne peut pas enlever une chose et garder l'autre, ni le monde moderne, ni le monde traditionnel. C'est une combinaison entre les deux mondes, et il faut s'adapter, il faut être flexible, et il faut l'accepter. Sinon, on sera tout à fait derrière, et ce n'est pas bien.
Je ne crois pas que les musées vont fermer, je ne crois pas que les galeries d'art vont fermer, mais je crois qu'il y aura une section, comme arrive maintenant, je suis partie dans, voir des foires d'art, ils ont des sections digitales complètement dédiées à l'art moderne et aux idées qui nous paraissent folles. Dina Roubi, vous êtes une pionnière de ce genre d'art ici en Égypte. Je voudrais savoir, à travers vos tournées, vos voyages, qui sont également les artistes qui ont embrassé ce genre d'art? Curieusement, il y a des collecteurs, des gens qui ont déjà beaucoup de peintures dans leur maison, par exemple, et qui veulent acquérir virtuellement aussi les peintures ou les tableaux de façon virtuelle. Donc, si on arrive à un certain moment et qu'on aime vraiment l'art, c'est très important aussi de souligner que mon art, c'est pas un art comme ce que vous allez voir sur le monde du metaverse qui paraît un peu comme les comics ou les bandes dessinées qu'on trouve. J'ai décidé de faire de l'art qui rentre et qui nous pénètre et qui nous plaît comme collecteur. Donc j'ai fait un point sur ça et pour approcher l'idée, j'ai fait faire dans cette exposition les tableaux originaux, les copies ou les tableaux digitaux pour montrer aussi aux gens, pour approcher l'idée si vous voulez, pour qu'ils puissent imaginer que ce qu'on voit ici, on va voir exactement de la même façon sur le monde du métaverse. Donc il y a toujours des pionniers et des avant-gardes et des gens qui aiment beaucoup être un pas en avance. Puisque notre programme porte le nom de Au Féminin, je voudrais savoir, est-ce que vous avez, basé bien sûr sur votre expérience personnelle, est-ce que vous avez affronté des obstacles et des défis en entamant le monde d'artistes, des artistes, ou en introduisant cette nouvelle conception d'art étant femme? Non, je ne crois pas. Étant donné femme, ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être l'idée n'est pas très commune et donc comme tout changement et comme toute nouvelle idée, il y a toujours une résistance et des gens qui disent « Ah, on n'est pas du tout du genre qui va acquérir ou accepter cette idée ». C'est une résistance qui n'a rien à voir avec être femme, mais au contraire, j'ai vu beaucoup de femmes artistes qui s'intéressent à ce monde-là et qui veulent bien être pionnières et un pas en avance étant femme artiste pionnière dans l'art virtuel. Vous êtes également maman, vous avez des enfants adorables. Est-ce qu'il y a eu une influence de la part de vos enfants sur ce choix moderne de technologie, d'intermédiaire virtuel pour cette exposition? Oui, effectivement, ils m'ont influencée et moi aussi je les ai influencés. En fait, ils sont très braves, ils savent beaucoup de ce monde. Et justement, c'est pour ça que je dis que pour cette génération, ça serait comme boire et respirer. Et ils savent beaucoup de choses que moi je ne savais pas. Et ils m'ont vraiment encouragée à faire cette étape, tout ce qui est nouveau. Et ils m'ont beaucoup montré sur la crypto-monnaie. Et je les ai influencés parce qu'un de mes enfants a voulu faire son projet en faisant ou en parlant de la crypto-monnaie et l'influence du NFT sur l'art. Et il a commencé à parler comment le monde est prêt et comment il a su que le monde était prêt parce qu'il y a je dirais pas des peintures, mais des tableaux qui ont été vendus pour des millions de dollars, même si ça paraît invraisemblable, mais ça arrive. Et des fois aussi, j'ai recouru à eux pour me montrer comment on le met sur l'ordinateur, etc. Donc oui, ça a été mutuel et ça a été une interaction entre deux générations différentes, mais très positive en la fin. Quelles sont vos aspirations pour l'art et pour la femme?
Bon, l'avenir de la femme, je crois que, étant donné que c'est la première exposition où une artiste femme a pénétré ce monde, déjà, je crois que c'est un pas en avance et j'en suis très fière. Étant donné que c'est un monde inconnu toujours et un peu mystérieux, je suis toujours prête à montrer à ceux qui veulent savoir plus, puisque j'ai déjà fait mes études et j'ai fait ce progrès-là, dont je suis très aussi fière, d'aider les autres. J'aimerais bien aider les autres, j'aimerais bien leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire. S'ils veulent mon aide, je suis là pour eux. Et en même temps, je pense que pour la prochaine fois ou peut-être la prochaine exposition, il faut avoir toujours des nouvelles idées, des nouvelles créativités et essayer de ne pas se limiter, de se libérer et de ne pas voir des limites à sa créativité ou à ce qu'on pense que l'art est saturé ou ça y est, on ne veut plus voir de ça. Il y a toujours d'autres idées et d'autres façons de montrer que l'art peut continuer. L'artiste Dina Ruby, vraiment, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir cette exposition magnifique et de parler non seulement de votre talent comme artiste, mais également de persistance et d'enthousiasme. Merci. C'est moi qui vous remercie et il faut continuer toujours à exploiter et à découvrir de mondes mystérieux. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec l'artiste Dina Ruby. Ensemble, nous avons découvert comment elle a pu vraiment envahir ce monde et découvrir ce monde des artistes d'art, de peinture et comment aujourd'hui, à travers sa première exposition solo, elle nous présente non seulement un mythe grec qui est le passé, mais également à travers des tableaux qui représentent le passé, le présent et l'avenir. L'avenir également à travers une conception d'art visuel nouvelle. Et je vous remercie d'être avec nous à notre rencontre la semaine prochaine au Féminin.